Bonjour ou bien bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est à qui côté vous regardez nous. N'a pas dit ou bienvenue sur chaîne Bladi Info Sport là. Jeudi nous va faire un petit parler des Champions League là. Champions League là, nous connaît demi-finale qui jouait déjà, t'ai gagné deux belles demi-finales, l'en cité yon là dedans qui c'était Real Madrid face avec équipe Chelsea. Real Madrid la qualifié 1 à 1 avec Chelsea et puis l'autre demi-finale là, c'était Paris Saint-Germain dans Parc des Princes là qui tombait face avec Manchester City de Pep Guardiola. Guardiola, l'équipe Guardiola bat l'équipe parisienne. 2-1 à rappeler que c'est l'équipe Paris Saint-Germain qui tape mené. Je dis à nous venir faire un petit parler de comment finale la capable. Nous allons parler de Manchester City, nous allons parler de Paris Saint-Germain. Qui pourcentage chance qui gagne pour yo nan final lan, qui est-ce qui gagne plus pourcentage al nan final, et puis nous pral parler de Real Madrid Chelsea pour nous voir qui est-ce qui gagne plus pourcentage al nan final, qui est-ce qui gagne plus chance al nan final, ou même qui c'est fanatique Bladi Info Sport, et bien arrange là chita bien nous pral parler de Real Madrid Chelsea. Mais ça qui est essentiel nan vidéo nous pote pour aujourd'hui, nous pral parler des matchs Paris Saint-Germain avec Manchester City. Et puis, ou même qui déjà a regardé nous, pas déplacé. N'a pas un petit pause, restez connecté. Si c'est la première fois à regarder nous, tout abonné avec chaîne, cliquez sur cloche notification, n'a pas tourné. Nous retournons après pause là. Merci parce que toujours été connecté Bladi Info Sport. Jeudi en jeune là, nous allons faire un petit parler des matchs Paris Saint-Germain City. Nous allons dire qui est là dedans qui a plus chance d'entrer dans le stade pour aller jouer finale. Bon, selon ça moi-même, selon pronostic yo, on a regardé comment match Real Madrid Chelsea a passé. Nous gain pourcentage jeune finale 100% anglais. Donc c'est pas étonnant si nous jouons final 100% anglais. Déjà nous connaissons Chelsea qui joue un bel match face avec Real Madrid, bien que c'est un déplacement lui-même, il gère 1 à 1. Real Madrid t'a une possibilité pour te faire plus bagaille dans match. Pas oublier Chelsea, la caille a n'importe nul qui pas gagne goal, c'est Chelsea lui-même qui a passé parce que la caille Real Madrid lui marqué un goal. Et puis bon côté Paris Saint-Germain, bah la plus compliqué pour Paris non sens. Pour qui raison dit ça? Pour Paris Saint-Germain qualifier, Folta Albat City, la Kai City dans Etihad Stadium nan, Folta Bay City 2-0. Et City nous connaît qui conseille des joueurs clés, la paraît un peu difficile pour City ta prendre 2-0 dans Paris sans que City lui-même li pas ta marqué. Une fois City ta marqué, match a ta fini 2-1, donc c'est pral prolongation. Mais tout nous connaît, si City répond même avec match en bien que quelques occasions City raté dans commencement match entier Paris Saint-Germain te vle gagner contrôle ballon, mais après 20 premières minutes yo City te reprend sens li dans jeu là, et dans deuxième mi-temps c'est là nous ta pral wè yon l'autre Manchester City. Nous pa connaît est-ce que c'est en dans vestiaire Guardiola te al passer l'autre consigne pour te mettre nèg yo sous boule, parce que dans deuxième mi-temps nous te voyons Manchester City qui te kembe ballon comme si ballon c'était pour l'île te seulement sous terrain. Et bien c'est un match qui finit 2-1, c'est City qui bat 2-1, Paris Saint-Germain qui était dans Parc des Princes là, la caille li tombé. Faut que nous disons c'est qui Paris Saint-Germain qui te ouvre score là très bonnet. C'était avec Marquinhos grâce avec un belle passe de Handiel Di Maria qui était centré pour Marquinhos qui te mette un coup de tête qui t'a fini course li dans filet pour mener 1-0. Premier mi-temps te fini 1-0 en faveur parisien yo, mais nous connaît déjà City gagne une belle équipe avec des joueurs clés et très importants. Mais tout pas oublier c'est Pep Guardiola qui a entraîné équipe si là. Guardiola nous connaît qui ça Guardiola représenté, moi même c'est tout le temps parler monde de Guardiola. Pas besoin parler monde de Guardiola pour connait qui est ce qui Guardiola, il était fait passage li dans équipe tankou FC Barcelone, nous connaît l'el t'a fait Barcelone jouer au football champagne, tiki taka, même Jean-Louis Espagne toujours fait là. Donc si n'a regardé Manchester City gen jodi a, c'est pas l'Inter te gen avant. Donc avant Guardiola c'est pas City ça. City nous jodi a son l'autre City. Son City qui a passé ballon, son City qui consacre les jouer football. C'est vrai parisien ont ouvert score là, mais dans deuxième mi-temps City t'a pral dédoublé dans match là. City t'a pral jouer égalisation là et dans 74e minute yo grâce avec l'inévitable Kevin De Bruyne qui fait un gros goal, Kevin De Bruyne qui trompe vigilance que l'on avance ballon qui se matche et puis entre dans filet. Les ça nous t'a joué 64e minute et puis match a te vin 1-1 grâce avec Kevin De Bruyne.
Et puis nous connaissons Riyad Mahrez, on t'ai parlé nous depuis le commencement, depuis la première vidéo, on t'ai dit nous si Manchester City gagne Riyad Mahrez qui répond et puis s'il gagne un nèg tant que Kevin De Bruyne qui répond, gain possibilité pour City craser Paris Saint-Germain. Et bien 7 minutes plus tard, soit dans 71e minute de jeu, et bien là City t'a pral mené 2-1 avec un bon coup franc de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez nous connaît joueur football ça qui passe suspend et parté monde dans mode football. Dans l'ensemble du match, c'est City qui te gagne pourcentage football, qui te gagne pourcentage ballon, City qui te gagne pourcentage 60 contre 40 pour Paris Saint-Germain, bien que dans première mi-temps, et City te gagne 54%, Paris te gagne 46%. Deuxième mi-temps, 34% t'es pour Paris, 66% t'es pour City. Donc nous là, deuxième mi-temps, City tape dominé en pile. Total tir, c'est un tir pour Paris, 7 pour City, 0 tir cadré bon côté Paris, sauf Green Gol coup de tête yo qui entre dans le camp, 4 bon côté City tête charge. Donc bah là nous c'est City gagne tout pourcentage et à rappeler Paris Saint-Germain t'a prend carton rouge, c'est Idrissa Gueye qui t'a prend carton rouge pour Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain là qui gagne pile travail pour le faire pour t'a réussi à qualifier pour les finales, pour la grande finale dis. Donc là nous gagne possibilité pour une jeune finale côté City lui-même li capable là, parce que City gagne déposé youn nan pied yo sous pelouse là. Ah, pelouse qui pral jouer final ça, m'pa bon menti, Guardiola getan déposé youn nan pied yo. Manchester City getan gon pied nan final ça. Donc Paris Saint-Germain là, li gen pile travail pou le faire. Mauricio Pochettino gen travail nan mon papa. Al recalculer, al repenser. La Kay City an, m'pa di ou pa ka bat li non, mais ba yo pral difficile. Bay City 2-0, c'est pas facile même parce que City gon sek des joueurs clés cap difficile pour yo pas marquer. Et m'te wè un City qui t'a joué sans des joueurs comme Gabriel Jesus, 9 ça nous connaît, ça le représente dans l'attaque City. Ça ne pas parler de Raheem Sterling. Si Raheem Sterling dans le match, Paris te quand même prend 2 cartons rouges. Parce que Nexa son bon provocateur qui connaît jouer football bien. Bien que style li en pile moun pas d'accord avec. Mais le ou gen Raheem Sterling non attaque qui a provoqué défenseur, qui a un problème. Avec Raheem Sterling qui a provoqué en défense, et puis ou gen yon Kevin De Bruyne qui a joué football, qui a bypass, qui a crasé en défense, là, bagay yo pral red pour Paris. Paris qui gagne un peu le travail pour le faire. Et puis l'autre demi-finale qui était joué à City, City Real Madrid. Real Madrid la Kailia était supposé faire en façon pour le battre parce qu'il y a en dehors de la Kailia c'est la Chelsea depuis qu'on dépasse depuis nul là plus que un goal par exemple 2-2 quel que soit nul qui plus que 1-1 c'est Real qui a passé, mais tout depuis nul là c'est 0-0 c'est Chelsea qui a passé. Chelsea marque la Real pour Real, bon là faut que Real bat Chelsea 1-0. Après ça toute l'autre victoire c'est pour en faveur équipe Chelsea. Donc possibilité pour une junior finale Manchester City Chelsea, mais c'est pas étonnant au cas junior finale Manchester City Real Madrid tout. Nous là n'a prêté suivre, mais sauf ça ne connaît City l'a difficile pour ne pas jouer en finale. Il gagne plus pourcentage dans finale que Paris Saint-Germain. Merci à vous-même qui t'a regardé Blade Info Sport. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est pas pour longtemps. Restez connectés nous. Bye bye, à la prochaine.